Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le 9e let's play du jeu Zelda Link's Awakening sur Switch. Donc on est déjà à la partie 9. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je le répète pour chaque début de let's play, mais n'hésitez pas à aller voir les anciennes, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Pour ceux qui ont vu, on se rappelle un petit peu les aventures d'avant. Donc on avait fait enfin le 4e donjon, on avait battu le 4e boss et c'était le donjon de l'eau, l'abîme de l'eau, je sais plus quoi, je sais plus le nom exactement. Et on avait eu comme instrument la harpe. Et du coup maintenant on va partir à la recherche du 5e donjon. Donc ce qu'on a comme indice pour l'instant c'est qu'il faut aller dans la baie. Donc sans plus tarder on va y aller direct hein, c'est parti. Donc voilà, on est sorti, on est juste devant le donjon et du coup on va partir chercher la route pour le 5e. Bon déjà on va aller dans cette petite porte tout simplement. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? C'est très joli, mais... Est-ce qu'il faut les... Non, les tape pas, lui on tape. Parlez. Je suis Mambo, descendant du poisson lune. Possèdes-tu un ocarina? Oui, c'est vrai, je possède un ocarina. Alors, je vais t'apprendre ma chanson. Ah, on apprend une chanson. Une autre chanson. Sympa, hey. Elle était sympa celle-là. Yes. Vous avez appris le mambo de Mambo. Ok. Essayez de jouer cet air quand vous serez sorti de l'eau. Ok, bon, on va essayer alors. Hein. Joue mon mambo pour te téléporter au point de téléportation de l'île. Mais c'est génial ça. Joue-le aussi dans les donjons. Et pour célébrer notre rencontre, je vais faire en sorte que tu puisses te téléporter à la Marbobo... Mambo. La marbobo, c'est quoi la marbobo? Hop. Mais c'est cool ça, ça veut dire qu'on peut se téléporter. Attendez, je vais sortir de l'eau déjà. Alors. Comment on fait? Ah, d'accord. Ça. Ok. Oh, mais c'est trop bien! C'est trop trop bien. Alors attendez, qu'on se remémore parce qu'il y avait un truc... Ah oui, ça y est. Il y avait la fleur. On avait réussi à avoir la fleur. Et du coup, on va la donner à la dame. Et je crois que c'était au village des... Voilà, village des animaux. Donc on va aller au village des animaux. Pour donner, faire la suite des objets à donner à droite et à gauche. Donc comme ça, avant de l'oublier, celle-là. Hop! Pourquoi il y a un fantôme? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me suit? Attendez, il y a une maison de l'horreur là-bas. Je crois que j'avais lu ça quelque part qu'il fallait redonner à sa maison, mais je sais plus où elle est sa maison. Elle est où ta maison? Oui, je sais plus où elle est ta maison. C'est par là-bas. Punaise, il me suit, hein. Je crois que j'avais lu ça, ouais, qu'il fallait le... Emmène-moi chez moi, ouais, c'est ça. Ah! Hé, tu t'es caché, toi, là. C'est pas cool, ça. Hein. Ah, punaise, j'ai oublié. C'est ça, ouais. Alors, c'est pas ça, c'est pas là, la maison. C'est où, la maison? Attends. Elle est où, ta maison, déjà? Ah, c'est là. Alors, attends. On va faire du mambo, là. Voilà. Elle est à côté de ça, ta maison. Ah, mais je suis con, j'ai fait B. Je vais me faire toucher en plus, là. Ah, bah en plus, ouais, c'est là qu'il faudra aller. À la B. Donc, on va donner d'abord la fleur. On va voir ce qu'elle nous donne après. Et après, on ira à la B. Bah oui, forcément. C'est là où il y a l'eau. Ouais, bah je pense que c'est là le 5e donjon, du coup. Alors... Oh mais je suis con.
J'ai oublié de changer. Non mais non, mais attends. Ouais, voilà. C'est ça qui est un peu chiant en fait. C'est que t'es obligé de... Oui, entre, c'est bien ma maison. Ah, je savais. C'était obligé de changer à chaque fois d'objet pour pouvoir faire la suite. Une jolie maison de fantômes. Bon là je peux rien faire. C'est une petite cinématique. Et franchement, plus ça va, plus j'aime ce jeu. Franchement, il est trop bien. Il est super bien fait. J'ai jamais joué au premier jeu. Que de souvenirs, rien n'a changé. J'ai jamais joué au premier jeu, mais franchement, celui-là, il est génial. Je sais pas si vous, vous y avez joué. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour me dire un peu... Je sais qu'il est très similaire, enfin que c'est vraiment la même chose. Mais au niveau graphisme, ça doit faire un sacré choc quand même. Bouh, 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 il pleure, le pauvre fantôme. Regardez-moi cette tête. Avec la petite musique triste. C'est triste. Assez, je veux retourner à ma tombe. À ta tombe. Emmène-moi à ma tombe. Oh, c'est là où je t'ai trouvé ou... C'est quoi la tombe? Ah mais oui, c'est vrai, il y a un cimetière là. Ah, ça doit être là alors, attends. Ah oui, non. Ah, mais je gaspille mes flèches, moi. Je gaspille trop mes flèches. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en X, comme ça je gaspillerai pas mes flèches. Donc le cimetière, il est là, donc on... Attendez, comment on fait zoom déjà? Ah oui, mais on peut pas faire zoom. Bah on va aller là, hein, tout simplement. Ah, la flèche, elle est plantée par terre. Par en bas. Alors. Oula. Oh punaise. Il est gros lui. Hein. Ok, c'est pas sa tombe à lui. Je pense qu'il me dirait quelque chose. Ça ne bouge pas leur tombe. C'est pas sa tombe là, petit fantôme? C'est pas celle-là? Oh, un rubis. C'est celle-là là? Ma tombe, emmène-moi ma tombe. Ah. Peut-être là? C'est quoi ça? Ok. Faut pas aller par là. Oh punaise! Oh. Ah oui, mais non, je suis con, je peux pas. Ah mince, moi je peux pas le prendre. Peut-être plus tard. Oh mais. À chaque fois, je me fais avoir, hein. Faudrait vraiment que quand je l'utilise, je change direct. Hop, il y a un escalier par là. Ça va peut-être l'emmener à sa tombe. Oula, pleine cocoline, j'ai bougé carrément de place là. C'est quoi ça? Oh, fragment de puissance, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Tiens, hop, d'accord. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre ici. Un coquillage, ça c'est cool. Que ça soit carré comme ça, c'est... Oh non, mais ça n'en finit pas. Ah, mais il y a une tombe là. C'est celle-là ta tombe? Oh, ça a l'air d'être ça. Yes. Ça fait une petite cinématique. Merci. Je te donne mon trésor, il est à toi maintenant. Sayonara. Sayonara. Yule, Yule, ça veut dire fantôme en japonais. Ceux qui ne savent pas, vous avez obtenu un flacon à fée. Ça veut dire qu'on peut. Ah, il y a le hibou qui arrive. Ouh, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mon garçon. Ah bon? Plonge dans les profondeurs de la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat.
Plus tu te rapproches du poisson rêve, plus son sommeil est agité. Tu es sur la bonne voie. Ouh, ouh, ouh. C'est cool alors, moi, dans la baie. Mais avant, on va donner la fleur d'hibiscus, là. Hop. Eh ben, j'aurais jamais deviné que c'était là. Hein. Ça tombe parce que le cimetière, il est là. Ça tombe, elle est là, quand même. Hein. Oui, alors, on a dit qu'on allait au village des animaux pour donner la fleur d'hibiscus. Petite fleur d'hibiscus. Hop. Le bruit des pas dans l'eau, il est marrant. Elle est toujours là en train de chanter. T'as toujours de la voix, toi? Ah, j'adore la musique. Elle est trop bien. Alors, je sais plus, c'est cette maison ou l'autre, je sais plus quelle maison c'est. On va bien voir. Non, c'est pas cette maison. Ce n'est pas celle-ci. Alors, peut-être celle-là, alors. Oui, c'est celle-là. C'est elle. Oh, tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander, je peux, bien sûr. J'aimerais te confier une lettre pour Monsieur White, qui habite à l'orée de la forêt. La forêt, merci d'avance. Ok, donc on a une lettre à remettre. Putain, et pour une fois qu'on sait exactement à qui on doit la donner. Alors, la forêt. La forêt, Monsieur White. Lettre. Je crois que ça me dit quelque chose. La forêt. Ah oui, peut-être la maison là-bas. Oh punaise, y'a pas de téléporteur. Bon bah, on va à celui-là alors. On va faire un petit bout de chemin. Petit bout de chemin, petit bout de chemin. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous vend le monsieur là? On sait jamais. Ah, faut que je remette le truc des seaux. On va te reprendre des flèches. Parce que comme j'en ai utilisé plein sans faire exprès, on va reprendre des bombes aussi. Et faites voir pour les cartes de cœur. Ah, j'en ai aucun des cartes de cœur. Ah, mais c'est 200 hein, quand même. Hein. On en prendra quand j'en aurai un peu plus. On en prendra quand j'en aurai un peu plus. Hop, on retourne dans la forêt. Ça fait bizarre de retourner à la forêt. C'était vraiment au tout début. C'était la première chose qu'on avait faite. Ah oui, alors attendez, je vais mettre ça là. Avant d'oublier. Hop. Et je me rappelle du chemin quand même, hein. C'est là, et du coup, je pense que c'est cette maison-là. Ou alors, il y avait une autre maison plus loin, je crois. Ah non, ça a l'air d'être lui. Yes! C'est ça. Une lettre de Christine pour moi, mais c'est formidable! Il y a même une photo! Elle s'appelle Christine, Peach? C'est une photo de Peach, ok. Bah, pourquoi pas. Oh, quelle beauté, j'aimerais te remercier. Mais je n'ai que ce balai à t'offrir, en veux-tu? Oui, je prends. Il y a la mémé du village qui a besoin d'un balai. Le docteur White vous a offert un balai. Mais cette photo, ce n'était pas... Si, si, c'était clairement Peach. C'est pas Christine, hein, c'est Peach. Hop, bon bah on retourne au village. C'est pas du tout là que je devais aller. Hop, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Ah si, bah si, il m'a eu. Je vais aller vite et éviter de les taper et tout. Bah, il m'a eu. Il m'a eu dans le cululu. Alors, la mamie. Je crois que c'était mamie, comment elle s'appelle déjà? Mamie Choupi, mamie... C'est elle là. Mamie Youpi.
Youpi youpi, un balai neuf. Merci, c'est bien pour moi. Tout à fait. Yes. Elle est contente, elle est trop mignonne. En remerciement, je t'offre ce hameçon. Harpon, je vais marquer, j'allais dire n'importe quoi. Que j'ai trouvé au bord de la rivière. Ok, bon alors lui par contre, je sais pas du tout à qui il faut le donner. Vous avez échangé le balai contre l'hameçon. Contre quoi le troquerez-vous donc? J'en sais rien, il y a un pêcheur là-haut, peut-être que c'est à lui. Attendez, on va voir. Une partie de pêche, mon gars, ça ne te coûtera que 10 rubis. Non, ça n'a pas l'air d'être lui. C'est parce que sinon, il me l'aurait dit direct. Du coup, on va retourner à la baie. Peut-être par là-bas, vu que c'est la baie, c'est de l'eau. Il y a peut-être un gars qui a un son là-bas. De toute façon, c'est là-bas qu'est le donjon, donc la clé, il faudrait trouver la clé du donjon. Je ne sais pas du tout où elle est. Hop. Ah mince, c'est plus haut. Je suis allée trop bas. Surtout qu'on peut nager maintenant. Direct là. Oh là 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 là. Par contre, je peux pas... Il y a une sirène là. Oh, elle est trop mignonne. Et les boules là. J'étais en train de nager dans la baie et une vague a emporté mon précieux collier. Si tu le trouves, je saurai te récompenser comme il se doit. Ok, ben il faut un collier. Par contre, enfin, c'est chiant qu'on puisse pas. Ok, on peut juste. Ah, où est-il, où le collier? Il doit être dans l'eau. C'est que t'es le collier. Peut-être qu'on peut le voir parce que l'eau est super claire, donc de toute façon on peut le voir. Par là-bas. Aïe. Voilà, non. Je pense pas que ce soit par là-bas. Je trouve que je m'éloigne un peu. Ah ! Hé ! Tu te calmes, ok ? On se calme, Martin. C'est chiant qu'on puisse pas attaquer. Ouais, non, bah non. Mais laisse-moi baser. Ah yes. Merci. C'est gentil. De me laisser passer comme ça. Oh là là, il y en a deux là. Non mais calmez-vous, ils sont où là? Il est où le collier? Aïe. Mais laissez-moi tranquille, il n'y a pas un collier dans l'eau. Ça se trouve, c'est même pas dans l'eau qu'on est. Là, il y a un pont, on peut pas avancer. Ah! Ah d'accord, ok. Bah si, en fait on peut... Qu'est-ce que c'est? Coucou monsieur pêcheur. Ah bah pêcheur, il veut peut-être un hameçon lui. C'est ça? Ah yes. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, n'est-ce pas un hameçon? Mais bien sûr que oui. Si tu me le donnes, je te ferai don de ma prochaine prise. D'accord? D'accord. Bah enfin moi c'est un colis que je cherche, mais bon. Ouvre les yeux et mate le pro. Qu'est-ce qu'on vient me pêcher le collier? Waouh, je sens qu'il est énorme. Ah bah oui. Bah parfait. Vous avez reçu un collier en échange de l'hameçon. Mais tout s'embrique parfaitement, c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un l'aurait perdu? Bah oui, t'as la mémoire courte ou quoi là, Link? Hop, bah merci monsieur le pêcheur. Il a rien dit en fait. C'est marrant parce que... Il dit qu'il va me pêcher un poisson, il ressort un collier mais il dit rien. Enfin, il pourrait dire ah mince, bah c'était pas un poisson mais tiens voilà un collier. Enfin, ou un truc dans le genre. Petite sirène trop belle. Ah le voilà, c'est mon collier, donne-le-moi. Je t'offrirai une de mes écailles. Ok. Oula. Vous avez vu la tête qu'elle fait? N'en prends qu'une seule. Ah une seule, c'est assez chelou comme... Alors c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, mais vous avez échangé le collier contre une écaille, à quoi vous servira-t-elle? Bah ça j'en sais rien. Oh elle est trop belle, la petite sirène. Bon. Bon ça nous dit pas où c'est qu'est la clé ça. Parce que le donjon il est là, mais il est entouré de briques. On peut pas passer là. C'est des bulles. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, il y a un cœur! Il y a un cœur de cœur là!
Yes! Trop bien! Cool! Fragment de cœur, ouais. Paire de cœur, fragment de cœur. Ça, c'est cool. Ça, ça veut dire... Bon, j'en ai un, il m'en faut trois autres encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être passer dessous. Je sais pas. Ah oui! C'était par là. Ok. Vous aurez pu mettre un panneau plongé. Eh! Comment j'ai fait? Oh punaise! En appuyant sur A, on va plus vite! Oh là 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 là! C'est fou ça, j'ai même pas fait gaffe. Ah, et du coup, on atterrit de l'autre côté. Mais ça, c'est cool ça! Baie de Martha. Bah, allez, tu montes? Ah, il fallait que je saute. Ah oui. Ça y est, on est arrivé dans la baie. Ok, poisson-chat. Alors, attendez, parce qu'on va remettre ça. Donc du coup on est arrivé dans le cinquième donjon. Ça c'est cool. On a fait bah, franchement elle a été rapide cette fois l'aventure pour aller jusqu'au donjon. Donc voilà, la neuvième partie de ce let's play est finie. On a fait l'aventure en fait pour avoir la clé. Bah, en fait finalement il n'y avait pas besoin de clé, mais il fallait juste trouver le passage pour aller dans le donjon. Donc on est arrivé au cinquième donjon qu'on fera dimanche prochain comme d'habitude. Et puis bah alors là c'était assez sympa avec la petite sirène et tout, le hameçon. Et on a avancé aussi dans la quête des objets à donner. Donc franchement c'est super important, faut vraiment les prendre parce que faut le savoir. Parce qu'on pourrait croire que c'est une quête annexe, mais finalement on en a besoin pour les donjons. Donc voilà pour ce 9ème let's play. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je mélange un peu mes mots. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi j'aime toujours autant ce jeu. Je vous retrouve du coup dimanche prochain pour la suite et pour affronter le 5ème donjon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.